Mesdames, Messieurs, bienvenue au cours Le Magicien des couleurs. Bienvenue aussi à une nouvelle saison. Et puis, dans cette saison, on aura des paysages tout à fait différents, du nouveau, de la couleur aussi. On va travailler beaucoup les mélanges de couleurs. Aujourd'hui, on aurait un contraste, un énorme contraste de couleurs. C'est là, justement, qu'on va avoir du plaisir à travailler. Avec du gris de peigne, du bleu indigo et du rouge de cadmium foncé, je peux faire des grandes lignes foncées ici. Encore plus foncé, on va empirer les choses. On va reprendre encore du foncé qu'on va étirer là. Je vais ajouter un peu de liquide de Varsol. C'est du liquide pour laver les pinceaux. J'en ajoute encore du plus foncé autour. Excellent. Une fois que j'ai ajouté du foncé, le bleu indigo avec le rouge de cadmium foncé et le gris de peigne, vont faire les trois ensemble ce qu'on appelle un violette de dioxazine, une couleur très, très foncée. Alors, je le remplis ici, dans le violette de dioxazine. Pourquoi ne pas prendre du violette de dioxazine directement puis de le poser sur la toile? C'est qu'avec le violette de dioxazine unique, j'aurai seulement du violette. Mais avec du bleu, deux sortes de bleu et puis le rouge de cadmium foncé. Quand je mélange un peu moins, il y a du rouge qui sort, il y a du bleu qui va ressortir, du gris au travers. Donc, on peut avoir un jeu de couleurs plus varié. Comme ici, dans le bas de la toile, j'aurai aussi du foncé. Je vais rajouter encore du liquide à laver les pinceaux, de la taltine. Avec de la taltine, on peut mélanger ici nos couleurs. Je vais maintenant laver le pinceau. Une fois le pinceau bien lavé, je vais ajouter du blanc au centre. Du blanc avec du rouge de cadmium foncé pour en faire un rose très pâle. Et en plus du rose très pâle, je lui ajoute du jaune de cadmium foncé avec le rose pour en faire un pêche, une couleur ocre, comme ocre d'or, ocre jaune, orangé, pêche, il sort un beau orangé, là, au centre. Des couleurs avec un contraste énorme. Alors, je continue toujours avec du blanc, du rose et du jaune de cadmium. Regardez ici, l'orange, il devient très fort. Là. Du blanc d'Arctique, toujours. Du blanc d'Arctique, c'est du blanc moelleux. Les couleurs à la peinture à l'huile. C'est toujours intéressant de bien mélanger les couleurs. On peut bien les mélanger parce que c'est plus long à sécher. Là. Très doucement, très gentiment, on mélange les couleurs. On mélange ici. On prend le gris foncé avec le rouge cadmium foncé et le bleu indigo qui est très foncé, c'est trois couleurs fortes, qu'on mélange avec le rose jaune et blanc. Il va sortir une clarté, une lumière du tableau, une clarté encore plus forte ici. J'ai ajouté du blanc pour renforcer la lumière, et ce blanc-là va se mélanger aussi avec le foncé, des couleurs très fortes, et on l'amène dans le pâle. Attention! On mélange bien, mais parfois, il faut moins mélanger à certains endroits pour laisser ressortir du blanc ici, de la clarté.
de la lumière forte. La lumière forte va chercher à ressortir aussi au travers du blanc, ici. Là. Le blanc, ici, va donner une lumière beaucoup plus forte. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on garde le centre comme il est, une clarté au milieu? Est-ce qu'on va faire des arbres ou une montagne ou quoi? Aucune idée. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut prendre le traînard avec un traînard ici pour ajouter quelques éléments. Du rouge avec du gris de peigne. Du rouge et du gris de peigne ici, là. On fait une maison. Là. On fait une shed, comme ça, avec un traîneur un petit peu plus gros. Du terre de sienne naturelle et du terre d'homme brûlé. Du brun pâle et du brun foncé, comme du bois de grange, une vieille cabane, là. Du bleu pâle avec du gris foncé, l'autre mur, et un autre mur ici. Il y a au travers un verdâtre qui va ressortir à cause des couleurs du fond, ce qui fait un vieux bois vieillot. Un bois vieillot. Du bleu indigo avec du terre-d'homme brûlé. Et on fait quelques vieilles planches ici, là. La couverture. La couverture avec un pinceau un peu plus gros, un pinceau un petit peu plus gros, un pinceau langue de chat par exemple, avec du blanc. On dépose le surplus de neige sur la couverture, comme ça. Blanc de titane. Ici, on dépose un surplus de neige, là. Ici, sans chercher à faire de la symétrie, on va rouler le pinceau entre les doigts pour démontrer des bancs de neige, comme ça ici, là. On commence à voir un peu mieux le tableau. On commence à comprendre ce qu'il va y avoir, là. Ici, j'étire le blanc au sens du sol, comme ça, pas vers le bas, mais au sens du sol. Je le fais rouler comme ça entre les doigts. Pourquoi je fais ça? C'est pour enlever les coups de pinceau. Si le pinceau est directement comme ça ici, on voit la partance du pinceau. Tandis que si on le roule comme ça ici, il n'y a aucun coup de pinceau qui apparaît. C'est seulement le mouvement du sol. Ici, si on cherche quoi faire, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur le tableau. Exemple. Je prends toujours le même pinceau et si j'utilise du terre-d'homme brûlé avec du gris de peigne, couleur foncée, à peu près au niveau du sol ici, là, je lui ferai quelques zigzags comme ça ici, pour démontrer bon, un chemin. Ah, on se dit pas mal, il y a un chemin, ok, ça me donne d'autres idées. Là, ça me donne des idées à savoir quoi lui ajouter. Comme ça. D'un zigzag à l'autre, au sens du sol, toujours, pas comme ça, au sens du sol. Là. À des endroits, du terre-d'homme brûlé, mais pas partout. Des endroits, c'est plus pâle, des endroits, c'est plus foncé. C'est pas pareil.
je lave le pinceau parce que j'aimerais utiliser le même pinceau, toujours un pinceau langue de chat, ici. En déroulant le pinceau pour rejoindre le bord du chemin. Ça fait rejoindre le bord du chemin. Et encore, si on veut, on peut ajouter de la neige sur le dessus du chemin, ce qui ferait apparaître à l'autre bout un champ enneigé. Ah, déjà on a une meilleure idée du tableau. Là, comme ça. Au lieu d'y aller avec des grands coups de pinceau, je fais plutôt des petits mouvements avec le pinceau. Je le fais rarement aller-retour dans le but d'être plus précis. Là. Comme ça. Ici. Si le mouvement se fait aller-retour, il y a une force qui se donne au coup de pinceau. Il ne faut pas que ce soit des coups, mais seulement que de déposer la couleur. Comme ça ici. Là. Très doucement. On étire la couleur sur un seul côté, là. Si on fait aller-retour, quand c'est une grande surface, pour remplir, ça va. Mais quand c'est une finition, il faut être plus prudent. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait y avoir? Si ça manque de la neige et du sol, ça devient un peu trop neige, un peu trop sol. Par contre, on peut prendre toujours le même pinceau avec du bleu indigo et du gris de pin avec du bleu céréalium. Bleu céréalium, bleu indigo et gris de pin. Vous laissez un espace ici, exemple. C'est une suggestion que je vous fais, comme ça ici, là. Un étang d'eau. Un étang d'eau, c'est qui ferait plus d'éléments à lui faire. On va compliquer les choses un petit peu, là. De cette façon. Une fois que j'aurai fait l'étang d'eau ici, je retourne à laver le pinceau, parce que j'utilise toujours le même pinceau, un langue de chat, avec du blanc. Je dépose une épaisseur de neige autour de l'étang d'eau, là. Comme ça. En touchant l'eau, en lavant le pinceau, mais je lave le pinceau, mais pas trop. Je le secoue, je ne l'essuie pas. Ce qui va me garder une épaisseur ici. De cette épaisseur-là, je peux lui ajouter du blanc. En fait, je ne fais que étirer le blanc que j'ai déjà posé et je croise les couleurs pour en faire un ombrage, un reflet, un léger reflet, comme ça. Une fois que le léger reflet est fait, je peux prendre le pinceau langue de chat et je déroule avec les doigts, comme ça. Sur un seul côté. On va lui démarquer ici, là, des bancs de neige. Alors qu'on peut continuer ici, le pinceau est de côté. Si vous remarquez, il n'est pas toujours de face, il est souvent de côté, qui va déborder la neige autour du chemin. Ici, il est plus de face parce que c'est très petit comme chemin. Comme détour ici, c'est très petit. Là. Ici, on va rejoindre le chemin. Là. On rejoint le chemin. En déroulant le pinceau. Comme ça. Ouais, comme ça. Maintenant, on va lui faire un petit peu de son dépôt de neige autour du chemin. Comme ça. Là. Jusque là, ça va. Ici, on peut faire la continuité. Là. On étire le blanc. Comme ça. Une fois qu'on a tout ça ici, là, on peut ajouter des éléments qu'on veut à l'autre bout. On peut ajouter
une colline, une montagne, des éléments à l'autre bout, vu de très loin. J'ai pris du foncé, mais j'ai pas lavé le pinceau. Le blanc est toujours sur le pinceau, donc il va faire pâlir les couleurs automatiquement. Je rejoins l'horizon. Là. On va continuer ici avec des couleurs foncées. C'est ça. Couleur foncée qu'on va pâlir aussi. À gauche, on pourrait continuer la montagne comme on peut faire autre chose. Je vais prendre un petit peu de gris de pin et bleu indigo et vert de vessie. Là. Le pinceau éventail. Le pinceau éventail ici, un petit pinceau éventail. Là. En lui faisant les membres de conifères chaque côté. Avec du gris de pin et bleu indigo avec vert de vessie. Plus de gris et de bleu que de vert. Pinceau langue de chat, lui, va étirer les couleurs pour en faire un reflet, un ombrage sur la neige. Là. On peut utiliser la spatule aussi pour le faire. Avec la spatule, si vous utilisez la spatule, vous pouvez le travailler de côté, comme ça, et vous grattez avec le bout. J'utilise le côté, on utilise le côté comme ça. Là. De côté ici. Un autre. Et on gratte avec le bout de la spatule. On gratte avec le bout, comme ça. J'étire ici, j'utilise un gros pinceau pour étirer les ombrages. On peut même ajouter un peu de neige, de bande neige d'épaisseur de blanc ici. Comme ça. Juste à l'avant-plan ici, j'utilise encore le pinceau langue de chat avec terre d'ombre brûlée et gris de pin. Juste à l'avant-plan ici, pression forte et on relâche la pression en tournant le pinceau ici, comme ça. Là. Forte pression et on relâche ici. Le traînard, lui, une fois que le foncé, le large a été fait, le traînard, il va dérouler comme ça ici, entre les doigts pour définir les branches. Ça peut être aussi les branches qui finissent vers le bas. Comme ça. En déroulant avec le bout du pinceau, aussi avec le côté du pinceau, comme ça. Il y a, au départ de la branche, un peu plus de pression que l'on relâche. On relâche ici, au bout de la branche, comme ça. Là.
On étire la couleur, on étire la branche, beaucoup. On étire beaucoup, là. Maintenant, on va s'amuser à étirer les couleurs avec le blanc de titane qu'on va dérouler pour déposer la neige sur les branches. On dépose la neige. Ici, on dépose seulement déposer. Si ça ne veut pas se déposer avec le bout du pinceau, utilisez le coin, c'est-à-dire le pinceau penché comme ça ici. Et vous déroulez entre les doigts pour déposer l'épaisseur de blanc. Ce qui va vous faire un arbre naturellement enneigé. Là. Beaucoup de blanc sur le côté ici. On dépose et on déroule le pinceau entre les doigts. Comme ça. On déroule bien. Là. Une fois qu'elle s'est déposée de cette façon, on va lui travailler un petit peu les portes et fenêtres avec des couleurs foncées, gris de peint, terre brûlé, les couleurs foncées. Là. Encore plus foncé que terre brûlé, j'utilise du gris de peint à plus grande quantité. Là. Portes et fenêtres avec cheminée. Et un peu de fumée là. Un petit peu de fumée, pas trop pour ne pas mettre le feu. On va étirer la fumée comme ça. Là. Maintenant, on va reprendre le pinceau éventail. Le pinceau éventail avec des couleurs foncées, gris et bleu, gris de peint et bleu indigo. Là. Pas besoin de suivre certaines lois à la lettre, comme par exemple la quantité d'arbres. Vous pouvez en faire 2, 3, 4, comme 10, nombre pair ou impair. Ça va au choix. Ça va selon ce que la nature a décidé qu'il y aurait d'arbres. Ici, on dépose un peu de neige avec la spatule. Seulement déposer avec le coin de la spatule, un petit peu avec le bout, parfois avec le plat, mais pas avec le plat dans le haut, seulement dans le bas. Là. Ici, avec des zones, vous savez, des tocs, des petites branches qui ressortent ici au travers, avec terre brûlé et gris de peine. Là, ici, j'appuie comme ça, et j'étire par la suite. Là. Comme ça. Le même principe ici. Le même principe ici, on peut en ajouter avec le coin du pinceau, comme ça. On étire très légèrement. Là, comme ça. On peut y avoir une partie d'un chemin ici qui va ressortir. Ça peut être autre chose. On peut y faire aussi des zones. On peut inventer à mesure, trouver des idées à force de peindre. Ah, moi, je ne mettrais pas cela. Je le mettrais ici. Vous pouvez le faire ailleurs, le changer de place, vous le changez d'endroit. Peut-être, lui, je l'aime bien. Lui ici, OK, ça va. J'en ajoute ici, non, parce que je ne veux pas faire trop cadré, trop rempli. Je ne veux pas trop remplir. Alors, je peux en déposer ici dans le bas, juste au-dessus du blanc. Comme ça. Là, ah, de cette façon, ça va bien.
ça découpe. On peut avoir la spatule. Une spatule avec du blanc de titane. Le vent ici va toucher l'eau et lui donner quelques petits mouvements. Là. L'eau bouge ici. Là, un étang d'eau. Ici, on peut y avoir des éléments qui sont intéressants. Ce serait intéressant d'en avoir un peu ici. Juste au bord du chemin. Avec un peu de son ombrage sur la neige. Un petit peu, un tout petit peu de neige se dépose ici. Un petit peu de neige sur les zones, vous savez, les tocs, là. Comme ça. On est bien parti, ça va bien. Avec le doigt, on peut prendre le doigt, l'index. Il se vend des spatules pour ça aussi qu'on peut juste appuyer, comme c'est ici. On sait, la lune n'est pas tout à fait blanche. Il y a toujours des couleurs du gris-bleu dans la lune. Et ici. Un petit peu de mouvement de nuages très faible, juste à l'avant. La lune va dégager une lumière un peu plus forte sur le dessus du nuage, comme ceci. Là. Il se mélange avec le reste. Le blanc va s'éteindre vers l'ombrage, comme ça. Là. Ici, on a la lune, la pleine lune qui dégage de la lumière sur les nuages. Un peu de mouvement ici, juste en bordure. Comme de la roche aussi. Souvent, il y a de la roche juste au bord du chemin ici, là, avec le pinceau éventail. On a une toile assez bien remplie, une 16 par 20. Vous n'êtes pas obligé de faire l'exactitude des mouvements. Vous pouvez varier aussi, enlever, en ajouter. Comme ça, ben, vous avez votre composition à vous. C'est ça qui est intéressant. Hein? Là. On a posé du foncé, du très fort, des couleurs fortes alentour, pour par la suite déposer du pâle au centre. La signature. Et voilà. On a une toile de 16 par 20 bien complétée, une scène d'hiver. On a joué avec les couleurs, on a composé et décomposé les modèles, les couleurs. On s'est rajouté un beau paysage. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, et bonne peinture. Bye! Fier de faire rayonner notre communauté.